Et salut à tous les amis, ici Ryulink pour une vidéo sur Epic Seven. Ce que l'on va faire là dans cette vidéo, on va tenter d'avoir le nouveau perso qui est arrivé. Vous allez voir tout de suite. Voilà. Donc la fameuse Jeezy. Donc beaucoup de gens ont mentionné que c'était pas forcément nécessaire de l'obtenir. Mais bon, vu que c'est Glitchy Gear, je me pose même pas la question, j'y vais. Sans problème. On va commencer tout de suite. C'est parti. En espérant que ça se passe pas comme la précédente vidéo. Pour ceux qui ont vu le pull sur Biken. Bon, un artefact 4 étoiles, pourquoi pas. Coupe en fer. Ça c'est toujours utile. Bon, pour l'instant, on n'a pas de chance. Est-ce que la chance va être avec nous sur cette vidéo? C'est déjà mieux que du 3 étoiles. C'est du 4, malheureusement. Je m'attendais à du 5. Léo. D'accord, ok. Parfait. Allez, s'il vous plaît. Non, ça reste du 4 étoiles. Encore une fois. Encore un artefact. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Couteau d'Elia. Pénètre la défense de 10% en attaquant un ennemi dont la santé n'est pas au maximum. D'accord, ok. On passe à la suite. Yes, les paillettes. On kiffe ça dans ce jeu. Mais c'est encore du 4 étoiles. Super. On continue. On a déjà fait 21 invocations, les amis. Parfait. Allez, on continue. Bon, on n'a pas vraiment de luck là, pour le coup. C'est insane. Allez, s'il vous plaît. Les 5 étoiles. Non, c'est du 4 encore une fois. Karine est très bien, hein, mais j'aime mieux quoi. Ah, j'ai pas de chance du tout là. Là, je sens que je vais l'avoir au 121e. Là, le jeu il est en train de me faire un mindfuck. Le jeu m'aime pas. Et ça se voit. Ah. Allez, allez. On y croit. Non, ça reste encore du 4 étoiles. Un artefact. Plus soudaine. Bon, on l'a déjà.
Bien. Mais je sais pas pourquoi là ça pue encore le 4 étoiles. Ouais, j'en étais sûr. Et encore un artefact. Eternus, on s'en fout. Des paillettes à nouveau. Très très bien. Mais c'est toujours du 4 étoiles. Cartuja. Bah écoutez, il me sert à rien. On continue. J'espère que je vais l'avoir avant de dépenser toutes mes ressources, ce serait pas mal. Allez, oui. Mais non, du 4 étoiles encore. Purgis, il me sert à rien. On continue. Encore du 4 étoiles. Surin. Bon, je l'ai déjà. Enfin, Surin, pour ceux qui l'appellent comme ça. J'ai l'impression que Dizzy se fait désirer comme Baikan. Ce qui va énormément me saouler. Allez, on continue. J'ai plus énormément de ressources là. Je sais pas si je vais en voir le bout ou pas. Franchement, là, ça pue, cette histoire. Encore du 4 étoiles. Un artefact pour pas changer. Portier inébranlable. Voilà, on s'en fout. Encore une animation en paillettes. Très, très bien. Mais ça pue, le 4 étoiles. Pour pas changer, hein. Cette poisse que j'ai, Dingo. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je l'ai pas de toute façon, Dingo. Donc, c'est toujours bien de l'avoir. Voilà. Là, je suis d'accord. Là, c'est bien. Là, le jeu finalement me déteste pas tant que ça, même s'il m'a quand même fait gaspiller pas mal de ressources, mais au moins je l'ai. C'est super, les amis. Allez, on récupère les trois pierres d'émission d'or. Son artefact, il fait quoi exactement? Augmente l'ardeur au combat de 10% après avoir attaqué tous les ennemis. Cet effet n'est pas activé par une contre-attaque ou double attaque. Ouais. C'est pété quand même comme artefact, je trouve. Hein. Ça vaut le coup d'aller le chercher, mais bon. Comme vous voyez en haut à droite, là, j'ai plus vraiment beaucoup de ressources, quoi. Donc, je pense que je vais devoir faire l'impasse dessus, malheureusement. Mais bon, au moins, on a le personnage, les amis. Et ça sera tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo avec le fucking pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la cloche afin de recevoir les notifications. C'était donc Revlink pour une vidéo de Epic Seven. Allez, see you, les gens.